Il y a posé Joël une question. Hein. Bon, Joël, tu as bonne réponse. Tu as bien posé une question. Tout. Parce que même avant qu'on vienne intégrer Zekla, on était un fan de Zekla quand même. C'est capable de dire ça. Ah, fan, c'est peu dire. Dès qu'il y a un bandana dans la tête, moi, je pense que je vais chanter. Dès qu'on faut jouer batterie. Bah, ça, oui, jusqu'à ce que les gens qui vivent à côté de la caméra. Qui peut être bon à qui te prête mon batterie? Bah, oui, donc, je fais bouillir la tête mon et puis mon dit, me dit, par contre, je chante, par contre, je batterie, ok? Donc, voilà. Donc, voilà. Mais grand fanatique Zekla, ça, c'est vrai. Si on cherche une définition musicale pour Zekla, qu'est-ce qu'on a dit là? Qui genre Zekla a vu? Parce qu'il y a plus de débat sur ça. Zekla sont un groupe mondial. Okay. Et c'est un groupe qui fait tout genre musical. Compas expérimental. Bon, ni pas compas expérimental seulement. Zekla fait tout le bagage. Zekla fait fusion, Zekla fait balade, Zekla fait musique racine, tout, hein, pour la suite. Ça veut dire que Zekla fait. Et souffler des musiques même genre avec Adjé, des musiques même genre avec Chinois Anglais. Et c'est vraiment des expérimentations. Et puis, dans le folklore, tout le monde prend des musiques même genre, si vous voulez, ou t'es dim. Et c'est vraiment, il y a parmi les plus belles balades qui font la musique haïtienne, on ne peut pas les compas. Et puis, bon, compas direct. Il y a plusieurs bagages. Et on musique même genre Amélie, c'est un clin d'œil franc à couper cloué, si vous voulez. Mais avec des lois dans le monde, mais. Okay. Et donc, Zekla, c'est tout ça, son paysage musical. Ok, mais l'ENAP et pour les AFM dans la semaine, ça a fait un peu l'actualité. Est-ce que tu as dit que les AFM suivent vous, disait Claire, en termes d'approche? Tout le monde suit vous, disait Claire. Et je comprends même mon guide à vous, que vous suivez vous, disait Claire. C'est les AFM, bien sûr, mais pas nécessairement une copie, c'est une émulation, c'est même expérimentation. Même expérimentation. Expérimentation, même sens. Mm-hmm. Mais il y a quand même 40 ans en AFM. Exactement, donc il y a des lotes approches, mais oui, c'est son travail d'expérimentation que j'ai. Ok. Fabrice, vous faites un pile scène internationale, comme c'est Mdadjou. Vous savez, on m'a dit que vous-même à quelqu'un fait partie de musiciens qui explorent plus le marché international là, sur ces dernières années. Mine de rien, on a plein de choses, parce que quand même. Et que ce soit avec musique, nous faisons Japon, ou même une expérience Table Comboa, ou une expérience Beloa. Ouais. Elles sont bonnes, ou quoi, Beethoven au bateau, non? Et moi, je fais 2-3 vies à Tov, oui. Avec Beethoven, tout. Oui. Donc, est-ce que vous formule quelconque pour le marché international là? Je ne crois pas ça. Je ne crois qu'il y a plusieurs. Écoute, toute forme, exploré, je dis l'autre jour dans l'interview. Que le nous allait justement au Cameroun avec Bello, il te connaît trois groupes musicaux, mais trois groupes musicaux bien distincts. Il te connaît Coupe de Cloué, bien sûr, et il te connaît Tabou Combo, mais tout, il nous guidait par être quand on lève fil pour nous tous. C'était Claudette et Tipier qui était un groupe extrêmement populaire dans la zone en Afrique. Oui, absolument. Okay. Et c'est un groupe jusqu'à présent, Mabdou. Et là, on est chasseur de vinyle, ils ne sont pas particulièrement au Sénégal. Et il y a des albums Claudette et Tibia qui fait un pile prix dans le pays. On ne peut pas laisser dire que je vinyle, où on est que bon, on peut espérer, etc. Donc, je ne crois pas que du moment qu'on a une authenticité et qu'on a un management qui a fait travail correctement, je crois qu'on a percé n'importe qui marché. Vous comprenez? Et je crois qu'on a une expérience, c'est Dixie Ben. Panama, je crois qu'on est sur ça. Côté que nous percé vraiment Panama, mais avec une musique nouvelle que nous avons fait. Vous comprenez, donc ils ne comprennent pas que c'est une musique nouvelle, mais bon, voilà, et c'est avec la musique nouvelle que nous avons percé ma chère. Ça veut dire que, et mon cap évoqué, si vous voulez, que l'homme dans son handicap, si vous voulez. C'est ça, il y a évoqué à table 12, c'est pas vrai. Yep. Et on y voit ça qu'il fait. Le gars de Buena Vista Social Club, et dans tout le pays européen, on ne sait pas qu'il parle pas de l'anglais, il est supporté. Et donc, l'anglais, non, on ne sait pas que son handicap, bien entendu, il y a une façon de vous présenter. Et that's it. Et puis, bien entendu, management, et puis sérieux de musiciens, et puis le fait qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a un boomer pour l'objectif, et l'objectif n'est pas pour vous. Du jour au lendemain, on a parlé de Buena Vista Social Club, pour que l'argent que tu gagnes le PC. Et compagnie seconde, tu as gagné 82 ans. J'ai fait exactement 3 ans, la viré, que l'a fait succès un petit peu partout, et puis il mourut à 85 ans. Yeah. Mais pourtant, compagnie seconde, mon carrière, je ne suis pas centenaire, mais on a dit que j'ai fait, je dois faire n'importe 50 ans à faire musique cubaine avant que je découvre. Ok. Yeah. Ok. Mais est-ce que les gens qui ont passé sur le marché international, les spectacles qu'ils ont fait,
Ouais, généralement, c'est deux groupes qui ont joué en format, je m'avais dit réduit, 3 monde, 4 monde. Bon, écoute, c'est ça lié. Est-ce qu'on peut dire que là, qu'on est avec 12 monde, 13 monde, non? Est-ce que quantité de musiciens n'ont pas un handicap? Ben, absolument, c'est un handicap. Donc, il faut qu'on peut dire que là, mettez là à la page. Et je pense qu'il y a un groupe qu'on peut dire avec 6 monde capable de faire autant. Bon, ouais, qui peut pas vraiment manger. Mesdames, messieurs, non, excusez-moi. Tu me réponds question, le très important. Non, mais parce qu'un groupe, on va dire, 5 ou 6 mounes avec ce qu'il faut de backing tracks, etc., qui a fait des scènes internationales très intéressantes. Moi, c'est si Reggae a fait ça, ça a fait. Parce que bon, malgré One With Guerrero, je me suis gagné pour 18 ans, je ne sais jamais, des styles gagnés pour tous, des ailes, etc. Et il ne faut pas battre comme ça, tout bas, là. C'est notre technique là que lié. Et notre technique là, et bien entendu, notre capacité musicien. Et je pense que quel que soit le groupe haïtien, et ceci, même le groupe qui est plus récent, il me fait discussion ça avec un pile dans le même groupe. Je pense que avec un format réduit, on est capable de battre quoi qui s'aime. On dit quoi ça que DJ a fait. Okay, DJ, il y a un backup track, il y a une chance pour me battre avec Michael Brun. Et le Michael aime toutes les musiques et puis voilà, il y a des dizaines de milliers de monde qui enjoy, bien entendu. C'est pas bouclé que ça tue, on côté pour on est qu'à faire un million de briques, ou pas parler de batteur, qui a sauté les mêmes gens choupit ou bien même gens avec batteur, tu vois ça. Quoique, il est capable de faire tout, si n'est-ce que je peux faire la faire, mais je ne pense pas que c'est le nombre qui fait le succès, je pense que c'est la qualité. Et vous êtes capable de gagner 2 nègres, 3 nègres du moment que bien fait. Et groupe qui est dans parmi groupe qui plus même Capoyon par exemple de police. De police c'est toi, mais bien entendu, DSN, ou bien un paquet d'ingénieur capteur backing track sur Kouli Abba, la vie beaucoup plus démocratique. Et ou capable de backing track pour n'importe formation musicale. Et ça dépend de ça que vous voulez payer là tout. Je pense que son bas économique que lié tout. Et je pense que pour musique la percée, il faut avoir un aspect économique qui est intéressant. Il faut couper moins ticket d'avion, il faut couper moins chambre d'hôtel, etc. Donc, on mettez-nous à la page. Si musique internationale l'a fait, ça c'est pas trop pas toi. Ok, dernière question avant que tu le manges même. Un peu le monde a dit que le copain dit qu'il a besoin de nouveau souffle. Et un peu le monde pense tout, mais il y a des gens qui comptent tout que propositions à faire, si on peut parler de propositions. Et les réponses aux liens de Mandia. Oui, autant que par Vibe la répondre, autant que différents groupes répondent déjà, autant que par Woody Woodboy la répondre, autant que par Baki a répondre, d'obtenir Baki matin. Et Baki a une belle comparée, mais Baki fait des featuring avec Michael Guérin. Et du fait que Baki sont anticipés, mais le président tombe à la comparée qui très à même de représenter compa ou après dernière musique ou celle là démolie compa direct donc pas gain jouet, ça veut dire que oui son nouvelle proposition et qui plus sexy que ça que habitué même depuis sexy pas problème son belle femme qui chante compa même garantie plus on avait intéressé garder donc oui une nouvelle proposition et je pense que le public a répondu favorablement donc on marche, mais vous comprenez, ça veut dire que nous pas qu'arrêter la nostalgie à tout le temps, vous comprenez, et c'est vrai que il y a des gens qui font des bails extraordinaires, mais parce que si il y a qualité dans la proposition, oui, la marche. Après, on a bien grandes affaires, Vibe, Mitchell, et j'en passe, vous comprenez, ou Dimme, et Design, que vous attendez. Et donc, voilà, je pense que bon format seulement qui vous respecte, je crois que format et. Nous avons commencé à comprendre, réduire la longueur de musique pour qu'il y ait plus de streaming et puis mettre la musique plus à même pour gagner une présence scénique. Ça veut dire, il y a deux trois bains maintenant de tout. Je pense que, ouais, par exemple, même moi, je suis malade pour faire commencement, intro avec outro. Oui. Mais voilà, ouais, Timis et Philippe qui parlent, mal mangé. Bon, mesdames, messieurs, désolé. Pour musique.